Simon Chanel, la tarot reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes. Je voulais faire une lecture pour tous les signes zodiaques, d'accord? Suivie d'une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier. Donc restez connectés. Tout le monde est censé avoir un message sur cette lecture. Enfin, je croise les doigts. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de cliquer sur j'aime, partager mes vidéos s'il vous plaît. Laissez-moi tout plein de commentaires. Laissez-moi, que ce soit des cœurs, des trèfles, des diamants, laissez-moi en tout cas tout plein de commentaires. J'ai envie de voir des flammes dans les commentaires. Donc tout ce qui ressemble à du feu, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, d'accord? Alright, on va donc commencer. Pour ceux qui voudraient avoir une lecture privée avec moi, n'hésitez pas à réservez votre lecture sur mon site de réservation. Ma disponibilité y est affichée lorsque vous êtes en train de faire votre réservation. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. N'oubliez pas de bien lire les instructions avant de réserver. OK? All right. Hi, Angel, please give me a reading for all my zodiac signs, please. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading for all my zodiac signs. Hi angels, please give me a reading for all my zodiac signs. Please don't say she will have her. All 12 signs. Thank you. Alors, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici la carte de la force qui est sortie, ok? On a ici les anges qui disent que vous êtes peut-être en train de travailler sur un projet ou encore vous êtes ici en train d'avancer dans vos affaires et vous êtes presque arrivé. Vous êtes peut-être sur le point de terminer, que ce soit des études, des examens, que ce soit ici à Zwell, un projet en particulier sur lequel vous travaillez au travail, vous êtes sur le point de terminer cela. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être aussi que c'est ici une situation où vous êtes dans une relation amoureuse avec un partenaire et vous êtes sur le point d'arriver à une conclusion quand il s'agit de cette relation. On va se marier ou on va pas se marier. On va être ensemble ou on va pas être ensemble. On va avoir des enfants ou on ne va pas avoir des enfants. On a ici les anges qui voudraient que vous ne vous découragiez pas juste au moment où vous êtes proche de la fin. On a ici les anges qui voudraient que vous continuiez de vous battre parce que c'est presque fini. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être aussi que vous êtes actuellement dans une situation de désolation, une situation d'amertume, une situation où vous avez l'impression de ne pas vraiment recevoir d'aide et vous êtes peut-être en train de quémander de l'argent, chercher de l'argent, peut-être aussi que vous êtes malade. Ça fait un certain temps que il y a une maladie qui vous ronge et vous n'arrivez pas vraiment à trouver la guérison. On a ici les anges qui disent que c'est presque fini. Non seulement on a la guérison qui sera de votre partage, mais on a aussi une certaine force spirituelle que vous allez acquérir qui va vous permettre de traverser toute tribulation et traverser tout problème que vous devez traverser actuellement ou encore tout problème que vous êtes en train de traverser. OK? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici lion, ascendant, poisson, cancer, scorpion, ou encore vous-même, vous êtes dans un certain sens juste une femme émotionnelle, peut-être aussi que vous vous êtes toujours débrouillée seule dans la vie, vous êtes peut-être mère célibataire, il y a beaucoup de choses que vous avez eu à surmonter par vous-même, et il y a de fortes possibilités que vous êtes arrivé à une position actuellement où vous êtes fatigué. Pour certains, c'est peut-être même en rapport avec votre mariage. Peut-être que vous êtes ici marié avec une personne et vous avez l'impression que la relation n'arrive pas quelque part, que votre mariage n'arrive pas quelque part, que votre partenaire vous laisse prendre soin des enfants seul, il vous laisse travailler seul. Vous avez l'impression que vous êtes le pilier même d'un mariage et que dans un certain sens, personne ne voit que vous avez besoin d'aide. Pour d'autres, peut-être aussi que vous apparaissez au devant du public comme étant une personne forte, une personne qui a beaucoup de courage, une personne qui sait comment se battre pour ce qu'elle veut, comment se battre pour ce qu'il désire, d'accord? Mais dans un autre sens, on a ici les anges qui me disent que vous êtes fatigué de toujours paraître comme une femme forte. Pour certains, peut-être que vous pleurez la nuit, vous ne savez pas vraiment où tourner de la tête.
faites. Pour d'autres, vous priez beaucoup parce que vous essayez de trouver dans le Seigneur un réconfort que votre partenaire, votre mari, vos enfants, etc., ou encore les membres de votre famille n'arrivent pas à vous donner. Et vous êtes donc ici dans une situation où vous essayez de trouver une certaine force, de puiser une certaine force pour retrouver votre identité. Mais vous êtes aussi fatigué. Bruno Patinon, vous avez envie peut-être que votre partenaire vous traite un peu plus comme une princesse, un peu plus comme une femme. Pour d'autres, vous avez aussi l'impression que votre partenaire ne vous voit pas comme une femme. Ou encore que votre partenaire n'est pas vraiment attiré physiquement par vous. Pour certains, il est même probable qu'il y a très longtemps que vous avez ici été intime avec un partenaire ou encore votre situation intime avec un partenaire n'est pas vraiment des plus régulières. Et c'est quelque chose ici qui vous manque et qui vous fait sentir comme si vous n'êtes pas femme. Vous avez l'impression qu'un homme ne vous traite pas comme si vous êtes une femme. Et vous avez envie de vous sentir comme une femme. Les anges ici me disent que vous êtes en train de prendre beaucoup plus soin de votre corps, de votre apparence, de votre beauté, de votre odeur. Vous essayez d'attirer votre partenaire de manière discrète ou encore vous essayez de trouver une certaine féminité en vous pour que votre partenaire ici, dans un certain sens, puisse, you know, s'amouracher de vous. Mais pour d'autres, il est probable que malgré vos efforts, vous avez l'impression que votre partenaire ne vous voit pas. Vous vous posez encore des questions sur l'amour qu'un partenaire a ici pour vous. Ok, ça c'est pour les femmes mariées, je crois, ou en couple. Pour une partie d'entre vous concernant le plan financier, je vois ici quelqu'un qui veut devenir CEO. Il y a de fortes possibilités que tu veuilles ici devenir CEO, que tu sois une femme ou un homme. Pour d'autres, peut-être aussi que vous êtes un homme, vous sortez ici avec une femme depuis un certain temps et vous avez envie de faire d'elle le CEO d'une certaine compagnie. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici un homme qui veut vous ouvrir une entreprise. On a ici un homme qui veut vous donner un magasin, une entreprise. Si c'est pas le cas, c'est peut-être ici quelqu'un azoa qui veut vous mettre à la tête de son entreprise. Mais, hold on. Mais on a ici quelqu'un en tout cas qui voudrait vous aider financièrement. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un nouveau partenaire que vous avez rencontré, que vous venez de rencontrer. On a peut-être ici quelqu'un qui est lion, lion ascendant à soi. Mais on a ici les anges qui me disent qu'il y a un nouveau partenaire que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontré à soi, qui aimerait faire de vous le capitaine d'un bateau. Pour d'autres, quand il s'agit ici de votre travail, de votre entreprise, de l'endroit où vous travaillez, il y a des fortes possibilités qu'il y ait peut-être des patrons qui aimeraient vous donner une promotion. Pour d'autres, il y a une promotion ici qui vous avait été promis. Et on a ici les anges qui disent que vous risquez de recevoir une annonce officielle pour vous dire que vous avez désormais une promotion, que vous êtes peut-être le CEO d'un département, le chef d'un département. On a peut-être ici quelqu'un qui a perdu son travail et vous, vous avez pour le travail d'une autre personne, quelque chose comme ça. OK? Pour une autre partie d'entre vous, pour en revenir ici à une situation de couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un couple. Si vous êtes ici un homme, il y a ici votre femme, votre partenaire, encore une fois, qui ne se sent pas aimée. On a peut-être ici Balance, Gémeaux, c'est quoi l'autre signe là? Et Verseau as well, qui sont ici. Pour d'autres, peut-être que vous êtes ici en couple, Balance, Gémeaux, Verseau, avec quelqu'un qui est Scorpion, Cancer ou encore Poisson, something like that. Mais je vois ici quelqu'un qui se sent délaissé. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes célibataire et vous ne vous sentez pas aimé. Vous avez l'impression d'être rejeté de tout le monde et par tout le monde. Vous avez ici besoin d'un partenaire. Vous voulez un amoureux. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous sortez avec un homme qui n'est pas vraiment disponible émotionnellement parlant. Peut-être que vous venez de commencer une relation avec un homme qui lui aussi vient de perdre l'amour de sa vie ou encore qui lui aussi est en train de passer par un chagrin d'amour douloureux qui empêche d'avoir une relation plutôt sérieuse ou concrète avec vous. Now, pour d'autres, on a ici quelqu'un qui souhaite demander le divorce, une séparation. Les choses ne fonctionnent pas, les choses ne vont pas. Peut-être aussi qu'un mariage, une relation ne fonctionne pas depuis qu'il y a un enfant dans une relation. Something like that. OK? So, pour cette partie, donc, vous faites attention cette semaine ou encore d'ici 2, 3, 4 semaines.
à des disputes dans un couple. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes une personne divorcée et vous avez votre ex qui veut revenir dans la photo, votre ex-femme, votre baby-mama. On a ici quelqu'un qui voudrait revenir avec vous, mais il est probable que les choses qui se sont passées entre vous sont des choses que vous ne pouvez pas pardonner, vous ne voulez plus pardonner. So, parce que vous ne voulez plus pardonner cela, vous n'avez aucune envie de reprendre une relation avec votre ex-femme ou encore avec votre ex-mari. Pour une autre partie d'entre vous, les anges aussi me disent qu'il y a de fortes possibilités que vous êtes passé à autre chose. Vous avez peut-être un nouvel amour, une nouvelle partenaire, une nouvelle go, etc., une nouvelle fiancée dans les parages et vous n'avez pas dit cela à votre ex-femme. On a ici une ex-femme qui risque d'apprendre que vous avez recommencé votre vie avec quelqu'un d'autre et on a ici quelqu'un qui risque d'être vraiment blessé, spirituellement parlant, émotionnellement parlant, mais aussi mentalement parlant, par une nouvelle. On a peut-être ici une ex-femme, un ex-mari qui ne vous a jamais oublié, qui n'arrive pas à vous oublier. On a ici quelqu'un qui n'a même pas pu se remarier ou encore qui n'a même pas pu passer à autre chose. On a quelqu'un qui pensait que, parce que vous avez peut-être des enfants ensemble, une vie ensemble, que vous allez ici pouvoir revenir ensemble, mais ce n'est pas le cas parce que vous ne voulez pas revenir avec une autre personne. Votre cœur n'est pas disponible, vous êtes ici amoureux de quelqu'un d'autre. Peut-être aussi que vous êtes ici amoureux de quelqu'un qui est bélier, parce qu'on a ici le chiffre 3. Vous êtes peut-être ici dans une nouvelle relation avec quelqu'un qui est bélier, bélière. Ça dépend. OK? Alright. On va maintenant passer à la lecture des béliers. Les béliers, j'espère que vous êtes là. Asseyez-vous. Attachez vos ceintures. Parce que ça va chauffer. Ça va péter. Enfin, j'espère. All right, on y va. Hi, Angels, please give me a reading for my Aries, please. What is going on with my Aries? Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Aries. What is going on for my Aries, please? Let me see if you are for my Aries. Ok. Les béliers. Ooh, all right. Les béliers, puis c'est un parti d'entre vous. Il y a ici une aura de bénédiction qui est sur vous. On a aussi ici une aura de sensibilité, bénédiction, beauté. I don't know. Peut-être que vous êtes ici en train de prendre soin de votre corps. Peut-être aussi que vous êtes ici en train d'embellir. Peut-être que vous êtes en train de faire le sport. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici quelque chose qui se passe. Pour d'autres, si vous êtes ici malade, on a aussi ici les anges qui me parlent de guérison, d'accord? Donc, si vous avez ici des problèmes de santé, des choses comme ça, les anges ici me disent que cela va passer. Peut-être d'ici 5 à 7 jours, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Now, pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas, il y a peut-être ici un événement de beauté. Si ce n'est pas un événement de mode, c'est un événement de beauté. Ou bien peut-être qu'on a ici des gens qui aimeraient que vous participiez au concours Miss d'une certaine année, Miss de quelque chose, d'accord? Mais on a ici des gens qui aimeraient que vous participiez ici dans un événement qui est en rapport avec la beauté. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici des gens qui peut-être veulent vous donner des contrats à signer pour paraître dans des magazines, pour faire ici certaines choses. So, on a votre carrière qui est sur le point de péter. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas vous, Bélier, qui êtes directement affecté par cela, c'est peut-être votre femme, votre mari, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici quelqu'un qui veut commencer à peut-être vendre des produits cosmétiques, vendre des produits de beauté. Something like that, ça dépend, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me parlent de réconciliation. Réconciliation avec des amis, les membres de la famille, vos ennemis. Les ennemis, vous restez là-bas. Co-réconciliation avec les ennemis. Vous restez là-bas. Sur Pluton, vous allez vous faire foutre là-bas, dans les fesses. On continue. Donc, bref. Donc, on a ici les anges qui me parlent de réconciliation. Sauf pour certains, vous risquez de recevoir des excuses. On a des gens qui vous ont fait du mal, qui vont carrément revenir vers vous pour vous présenter des excuses.
On a des gens qui vous ont insulté dans votre dos, qui vont revenir vers vous pour vous présenter des excuses. Maintenant, pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me disent qu'il y a une gloire qui a été mise sur votre tête, qui est sur le point de briller. C'est un peu comme si votre karma va carrément briller devant les yeux de tout le monde. Il y a quelque chose qui est en rapport avec peut-être la célébrité pour certains. Donc pour certains, peut-être que vous êtes célèbre. Vous êtes peut-être ici artiste, chanteur, musicien, rappeur. Pour d'autres, vous êtes peut-être aussi ici YouTube. YouTubeuse, pour une autre partie d'entre vous, vous êtes peut-être, je sais pas, Miss, comme j'ai dit là. Vous êtes en tout cas là-bas, dans les trucs de entertainment ship, d'accord? Et les anges ici me parlent de célébrité. Donc, je vois ici une certaine célébrité qui est sur le point de venir vers vous. Célébrité qui risque de rendre certaines personnes jalouses, jalouses. Célébrité qui risque aussi de rendre vos ennemis jalouses. Et célébrité qui risque de rendre certaines personnes avec qui vous travailliez dans le passé, qui vont carrément revenir vers vous, vous présenter des excuses, vous demander pardon. Des anciens collègues qui veulent recommencer des contrats, recommencer des travaux. Les ennemis, restez là-bas. Les anciens collègues, ça n'aboutit à rien de toutes les manières. Laissez-moi vous dire ça. Les anciens collègues, ça n'aboutit à rien. Vous vous fatiguez, 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 fatiguez. Ils sont là, perdent votre temps. Donc, j'aime bien placer ma montre. Perdent votre temps. On ne retourne pas en arrière. On ne retourne pas dans un bateau qui a sombré. J'espère que vous avez compris. OK? Deuxième carte. Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me parlent de quelque chose qui est en rapport avec votre argent. So, il y a de l'argent que vous êtes sur le point de recevoir. Il y a peut-être aussi une augmentation de salaire, une bourse, une pension. Pour d'autres, c'est même pas ça. Pour d'autres, c'est carrément peut-être une prime que vous êtes ici en train de recevoir. So, si vous travaillez sur un projet en particulier, les anges ici me disent qu'il y a une prime que vous devez recevoir sur un projet. Il y a peut-être deux projets en particulier que vous allez terminer. Vous allez avoir de l'argent. Cela va être bien. Pour d'autres, je vois aussi une certaine montée financière dans votre énergie, montée financière qui s'adresse à vous. So, faites vraiment attention à tout ce qui est en rapport avec votre travail, d'accord? Ou encore tout ce qui est en rapport avec des choses sur lesquelles vous travaillez pour faire avancer votre carrière. Cela va être un succès, que ce soit des examens, que ce soit des auditions. Encore une fois, on a ici les anges qui me disent que ce n'est pas toute collaboration qui est bonne collaboration. Gardez vos yeux ouverts. N'essayez pas de revenir en arrière avec des gens avec qui vous avez essayé de travailler et les choses n'ont pas pu vraiment se matérialiser. Là maintenant, on a ici la carte du diable. So, dans un certain sens, la carte du diable ici est aussi en rapport avec la richesse. C'est aussi ici en rapport avec l'argent. Les finances et l'abondance. Et pour certains, il est fort probable que vous risquez de toucher beaucoup d'argent. Encore une fois, de l'argent peut-être que vous n'avez pas espéré, que vous n'attendiez pas. C'est un peu comme si les portes de la richesse ici sont en train de s'ouvrir pour vous. So, faites ici très très attention. Encore une fois, c'est vraiment ici le moment pour les béliers de se concentrer sur votre boulot, de vous concentrer sur votre avancée, de vous concentrer sur votre carrière, de vous concentrer sur des examens. C'est ici vraiment le moment pour vous bélier de vous concentrer ici sur une certaine ascension, d'accord? On a peut-être aussi les Capricornes qui sont à l'honneur over here. Pour une autre partie d'entre vous, s'il y a ici un problème de justice auquel vous faites face, les anges ici me parlent de victoire dans ce problème de justice à soi. Et pour d'autres, encore une fois, on a ici les anges ici qui me disent que vos rêves les plus fous sont sur le point de se réaliser. À quelle heure, à quel moment? Je ne peux vous le dire. Je peux seulement vous dire les événements qui se passent autour de votre énergie. Donc, je vais m'arrêter là. Économiser votre argent. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.